Et salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai pu me reposer hier, j'en avais vraiment besoin. Au passage, merci pour tous vos petits messages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Est-ce que vous savez ce matin ce que j'ai fait? J'ai besoin de photos d'identité et on sait tous que les photos d'identité, on est juste horrible parce que t'as besoin de franges, t'as pas le droit de te maquiller, enfin il y a plein de trucs que tu peux pas faire, t'as pas le droit de sourire. Donc je me suis dit, je vais être maline, je vais me faire mon chignon à la maison en tirant les trucs, j'ai mis des barrettes partout. J'arrive là-bas et la photographe, elle me regarde, elle me fait « va falloir tout enlever ». En fait, t'as pas le droit barrette. Donc, j'ai tout enlevé. Je devais en avoir 6, 7 hein, barrettes. J'ai tout enlevé. J'avais les cheveux on again. Il y a encore des traces. Et elle m'a fait un chignon. Il a fallu que je me tire les cheveux en arrière sans qu'on voit ici. Donc, faut pas qu'il y ait de chignon apparent. La frange sur le côté. Donc, pas de make-up. Tu fais la gueule. J'ai mes photos, elles sont collector, comme beaucoup je pense, voilà, en tout cas c'est fait, je ne suis pas certaine de vous les montrer quand même. Je ne vous ai pas dit, là j'ai besoin d'aller chez Action pour vous tourner en haul cet après-midi, est-ce que ça vous arrive? Je ne sais plus où je suis garée. Mais on va perdre en qualité. Et puis, révolution technologique pour sûr. Chez Brico Marché, ils ont de la déco, bon, c'est beaucoup plus cher, mais ils ont des trucs trop beaux, de la marque d'ailleurs Mathilde M, j'adore. Je cherche, vous savez, comme des pochettes marron craft pour mettre pour mon calendrier de l'Avent, pour mettre des petits cadeaux dedans. Mais non, je pense pas qu'il y en ait là. C'est sympa ça. Ah, j'aime bien. Alors ça, je trouve ça tellement joli et original. Un plateau à servir sur deux étages. Qu'est-ce que c'est chic pour un apéro. Oh, j'adore, je vais pas le prendre. Mais 4,95, ça fait de l'effet. Hein. Je suis dans le rayon boules et tout ça. Et je cherchais les boules qu'on customise, qu'on ouvre pour mettre dedans des plumes, des décos. Et elle m'a dit qu'elle n'avait plus. Mais elle en a recommandé. C'était là. Alors le concept est sympa. Et j'aimerais le faire moi-même avec mes propres décos. Là, on est sur de la petite boule kitchenette. Hein. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi. Je trouve ça fait trop animal empaillé, même si je sais que c'est du faux, mais... Ouais, non, j'aime pas. J'aime pas. Comme les trophées qu'on voit accrocher. Dans... J'ai pris un sandwich. Je suis pas certaine de l'association, mais bon, ça va le faire. Je me suis pris un petit sandwich saumon boursin, apparemment. Je vais enlever les tomates. Hein. Par contre, le pain, il a l'air super bon aux graines. Je donne... Très rarement à Jack autre chose que ses croquettes. Parfois, je lui donne des petits surimi. Non, tu attends. Mais là, je vais lui donner un petit bout de saumon. Tu attends, tu attends. Tu attends, Jack. Trois fois, non. Maman, elle tape trois fois. Tu peux. Oh, c'est quoi ce dressage? C'est bon, hein? T'en reviens pas, hein? Qu'est-ce que c'était bon? Voilà, c'est bien. Quant à ma photo d'identité, elle est là-dedans. Bon, c'est ce que je pensais. Moi, perso, j'aime pas. J'aime pas l'association. Le saumon, je le trouve assez fort. Bon, je le saurais, hein. Je m'apprête à tourner mon petit haul. Je vais me mettre un peu de rouge à lèvres. J'ai reçu le dernier rouge à lèvres MAC. C'est les Power Kiss Lipsticks gratuitement par... Octoly en fait, et j'ai bien envie de le tester là maintenant parce que je me trouve un peu palote. Moi j'ai le numéro 301 Little Town, et en fait ça fait un effet apparemment flouté. J'ai pas testé, hein. C'est un mat qui a des agents hydratants, donc ça c'est top. Ils sont vraiment mignons, je trouve, ces petits rouges à lèvres. La couleur elle est carrément dans ce que j'aime. On voit déjà que c'est mat. Voilà ce que ça donne. Je l'ai appliqué devant la glace, c'est quand même plus pratique. Il est très hydratant et il a effectivement un fini mat. La couleur, jolie. Alors, est-ce que ça va avec ça? Je suis pas certaine. Bon, j'enlève mes lunettes et c'est parti pour le tournage. Au final, je me suis changée. Je préfère avec ce chemisier, je trouve que c'est plus lumineux. Ouais, ça rend beaucoup mieux. Ouais, cette fois-ci, j'y vais. Allez, une fois de plus, je suis dégoûtée. Ma vidéo, elle doit faire 5 minutes 30. Les 3 premières minutes, super. Au niveau du son, tout nickel. Et là... Ça commence à grésiller. Je suis dégoûtée, je ne l'ai pas vu venir en fait. Mon micro, une fois de plus, a dû frotter. Donc, je ne veux pas la refaire, je ne veux pas la refaire. En plus, je m'étais démaquillée un petit peu. Vous voyez, mes lèvres, elles sont redevenues nudes. Tant pis, j'ai mis un petit message, genre un petit bandeau qui met désolé pour le son, tout ça quoi. Mais
C'est l'heure de la petite pause, je vais me prendre romarin et je vais me prendre une petite spiruline, j'en ai pris ce matin. J'en prends 2 par jour. Comme je vous disais, je peux y aller jusqu'à 6, mais on va y aller cool. Et au fait, merci pour votre petit conseil là, pour la languette, pour éviter qu'elle tombe. C'est nickel. Pendant que ma vidéo charge, j'ai reçu cette nouvelle box à présenter sur la chaîne des box, My Sweetie Box. Donc, voilà. J'ai pris du retard, les gars, j'ai pris du retard. Ça y est, la vidéo est programmée pour ce soir 18h. Je suis claquée. C'est vrai que c'est chaud quand même, ce changement d'heure. Et là, je vais en ville. Je peux pas vous en parler, mais si ça se fait, c'est un truc trop beau. Et après, je vais aller, comme je vous ai dit, à Leclerc, acheter 2-3 petites choses. Oh là là, j'apprécie, ça fait du bien de marcher. Tout ça, ça doit jouer aussi dans mon état de fatigue, forcément. Ça pompe beaucoup d'énergie, les écrans, parce que quand tu fais le montage, t'as d'être devant un écran, comme tous ceux qui travaillent beaucoup sur les écrans, mais on est aussi énormément sur notre téléphone, ça reste un écran. Normalement, le soir, tu devrais pas le faire, tu devrais vraiment te dormir avec un livre. J'essaye de temps en temps de le faire, mais bon, pas évident. Je sais pas si je vous avais dit que je commençais un nouveau livre, c'est un thriller, Amstramgram. J'ai commencé les 2 premières pages et ça m'a mis vachement mal à l'aise, tu vois, pour m'endormir et tout. Donc j'ai pas envie de le lire maintenant, je le lirai, parce que voilà, je l'ai acheté. Mais là, je voudrais me trouver quelque chose d'un petit peu plus léger, un peu plus frais, tout en restant dans de l'intrigue quand même, mais non, là, je le sentais pas. C'est comme la série The Walking Dead, j'étais à fond dedans. Là, il y a eu la saison 4, premier épisode. J'ai pas pu, j'ai trouvé ça hyper trash, je sais pas, et j'ai décroché. Finalement, j'ai pris un Mary Gins Clark. Moi qui adore les polars, je n'en ai jamais lu, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un des derniers, donc ouais, j'ai hâte de me lancer là-dedans. Je crois que j'ai encore déconné, à chaque fois, je viens pour 2-3 trucs. Je prends qu'un petit panier et résultat, c'est trop lourd. Voilà mon petit retour de course. Hein. Très rapidement, j'en ai mis partout. Ça, parce qu'en ce moment, j'ai envie de poire. Je sais pas, j'adore ça, c'est frais. Ça, avec des bananes. J'adore manger ça avec des bananes. Je pense que je suis la seule à aimer. Le matin, moi, je mange assez salé, donc c'est parfait, les petites tranches de fromage. Je vais prendre cela. Les deux vaches, je les connais pas, c'est des bio 0%, et ils sont écrémés. Des ancas, c'est des amandes avec du raisin, pareil, ça c'est pour le matin. J'ai pris ça, c'est de la gelée royale, mais pas n'importe laquelle, je vous la montrerai, elle est pas mal. Des petits sushis, des raviolis japonais, parce que j'adore ça. Coucou bébé. Celui-là, c'est le céréale bio marocaine, je connais pas du tout, pruneau, ça a l'air. Très bon. Des mandarines. Et celles-ci, elles viennent de France parce qu'on a des mandarines provenant dans le rayon bio, provenance Espagne. Et on le sait tous, hein, c'est pas du bio. Quand ça vient d'Espagne, ce ne sont absolument pas les mêmes normes. Et ben voilà, là t'es calmé. Oh, fais dodo, fiston. Je vais clôturer le vlog ici avec ma super coiffure. J'étais à Leclerc comme ça. C'est particulier quand même. Demain, le programme, je dois aller chez Zeman, vous savez, c'est le nouveau magasin, parce que je dois faire mon calendrier de l'Avent. Je vais commencer demain parce que ça va aller hyper vite. Il reste que 15 jours avant que je l'offre. Il me faut des petites enveloppes craft, c'est pas des enveloppes, c'est comme des pochettes. Et j'ai l'impression que là-bas, je vais peut-être en trouver. Il me faut aussi comme des petites pinces à linge un petit peu mignonnes. Donc on va aller ensemble là-bas, il y avait autre chose à faire. Qu'est-ce que c'était? Et voilà, je sais plus. Bon. On verra ça demain ensemble. Je vous dis à demain du coup pour un nouveau vlog. Salut !